Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr, aujourd'hui on va jouer au jeu le plus tendance de cette semaine. Bien sûr, quand vous verrez ces épisodes, ça sera bien sûr après le mois de la chaîne, donc après le 16. Le 16 juin, donc après les 1 mois de la chaîne, le 17, 18, 19, je vais le faire d'affilée comme ça. Vous les verrez. Ah oui, je porte mes lunettes parce que j'ai pas dormi de la nuit et ça fait mal aux yeux. Et j'ai mal aux yeux. Simplement. On commence ? Je m'en fous. J'ai accepté tout. Activez la musique. Activez le mode son. Hack and Spy. Nouvelle partie. Une nouvelle partie. Ah putain. David ou Hackett. Prochainement j'aurai un casque, hein, vous inquiétez pas. Ça serait bien pour les jeux d'horreur. Moi je dis pas que ça n'est pas un, mais voilà. I woke up to an open door, wrapped up in my lover's arms. I feel it in my weary bones. I'm home. But nothing's ever worth me. There's darkness in the best of dreams. Scratch the surface and fire. Ah merci, elle est chiante. Pourquoi t'as coupé le son ? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est po... Poli ? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça. Attends. Non. C'est où, paramètre ? Oh putain, non, tu vas pas me devoir. Oh putain. Ah non, on s'en fout des sous. Donc, okay. Allez, c'est paumé. C'est ton point de vue. C'est mieux comme ça. Prenez le temps d'écouter ce qui suit. Car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Hackett Squad. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe. Attends! On va quand même mettre les sous-titres en fait. Parce que j'ai presque pas compris ce qu'il a dit. Donc, attends. Paramètres. Sous-titres. Avec. Standard. Voilà. Continuez. Bah, solo. Voilà, prologue. Oui. En fait, ce sera au tout début, rien du tout. Parce que j'ai pas envie de me retaper cette musique de merde. Oh non ! Ah.
tu vas pas, on va pas se retrouver tout. Je savais pas qu'il fallait mettre les sous-titres avant moi. Hein? Ah bon, on se retape tout alors. Super la vidéo. Oh bah. Ah, j'ai pas le droit. Ça t'endort pas la nuit, on reprend le nuit. Mec, il est pas content. Oh merde. Parfois, je vais quand même arrêter. Je serais capable de m'endormir. Ben. Enfin c'est fini. Putain. Même le prologue de GTA. Et moi non. Et moi non. Pourquoi tu mets pas le GPS? Depuis quand le GPS? Pourquoi t'as coupé le son? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... paumé. Parce qu'on est paumé. Poli? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Paumé. C'est ton point de vue. T'es paumé, mec. Attention. Wow. Bravo, chérie. Joli réflexe. Merci. Bah, l'état des routes s'arrange pas ici. Ça doit faire partie de l'expérience rustique de la colo. Oh, c'est vrai, c'est là qu'on va. J'ai arrêté de suivre depuis 300 km. 300 km, hein? Ouais. Tu sais, Max, c'est pas grave, ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ses rivages, les États-Unis n'existeraient pas. Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu parles? Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse? C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors oh, tu peux ravaler c'est tes critiques. Quoi, là? Non, il y a un bug là. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle, la force okay, te soupirait. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. C'est vraiment en train de bugger. Waouh, waouh. Eh, c'est stylé. Le mec. Oh mais le gros Google, putain, c'est pas bon. Prends la carte, prends la brochure. Ah, voilà. C'est quoi ça? Ouais, rigole. Je suis sérieux, pourquoi tu prends pas la carte normale? C'est ça, la carte normale. Celle du téléphone. Évidemment. T'es en pleine forêt. Il est con lui. Bon, voyons voir. Ah mais ouais, c'est con ça les GPS. T'es obligé d'avoir des réseaux. Ah c'est ce que je viens de penser. Je crois qu'il marque pas les colos sur les cartes. Et t'as pas vu de panneau? Hé, regarde la route. Wow. Eh, je l'ai vu la grand-mère dedans. La grand-mère, la mamie ou je sais pas c'est qui. Ah non, putain, c'est bon ça. Tu vas bien? Oui, oui. Enfin, en un seul morceau. Ta mère, tu crois que c'était quoi? Un ours? Quoi?
Quoi? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi? Je crois que c'était quelqu'un. Non, c'est pas quelqu'un. Laura, c'est le chitane, mon pote. C'est le chitane. J'ai déjà vu Seros le faire le début. Je sais pas. On est passé près, vraiment près. Mais peut-être qu'on n'a pas. Je sais pas. Pourquoi ça bug là? Oh, tourne un peu toi là. Mon petit vieux là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon petit vieux. La voiture est foutue. Oh, bravo. Putain. C'est peut-être pas si grave que ça. T'aurais pu esquiver le tronc d'arbre. Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils, mon coffre? Ouais, bouge pas. J'aurais pu esquiver quand même le tronc d'arbre, ce con. C'est mal foutu. J'assume, c'est de ma faute. Oh, faut que je ferme ma gueule. J'ai dit je parlais pas. Oh non. Comment ça? A. B, C, D. Et je roule les fesses. L. Comment ça, B? Interruption. Scène de quête. Quick time event. Ah voilà, j'ai pas fait. Prenez le temps d'écouter ce qui suit. Car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Hackett Squad. Mais non, ce que j'ai vous fait voyez est une épreuve de réflexe. Un QTE qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention, Hackett Squad peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Moi je cherche sa boîte à outils. Fouinez. Non, elle a été rejetée de l'université. Pourquoi tu m'as rien dit? Je veux des explications, Max. Ah, merci. De rien. Je peux t'aider? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici. Et voilà. Parfait, merci. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp, en train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi? Parce qu'on pourrait prendre feu. Alors, imagine-toi assise devant un grand radiateur. Bah, ce sera toujours mieux qu'ici. Je vais lui parler. Non, je veux pas voir la mamie, moi. Vas-y, on va la voir, tu sais quoi. Le mec, il change d'avis. De toute façon, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Tu vas où? Pas trop loin. Laura, reste dans le coin, ok? J'ai presque fini. T'es pas ma mère. Quoi? Tu te prends pour ma mère? Je veux pas que tu t'éloignes comme ça toute seule. Excuse-moi. Je voulais pas dire ça. Ouais, j'espère bien, ouais. Chérie, je suis désolée, je dois me concentrer là-dessus, ok? Ok, c'est bon. Mais je crois que j'ai vu une personne là-bas. De quoi? Elle est peut-être blessée. Pourquoi tu t'inquiètes? Je vais jeter un œil. Moi, je veux voir mamie. Allez, on va voir mamie, les amis. Même si j'ai pas trop envie. Faut aller où?
truc à voir. Et je vous jure, je me prends un screamer, je pète un câble. Harums, kaboom. L'affiche d'un spectacle itinérant, elle semble être là depuis longtemps, oubliée dans les bois. Et ce sont des marques de brûlure sur les bords. Je vais pas retourner à la voiture là parce que ça vient un peu flippant. Je retourne à la voiture moi, hein, c'est bon, c'est fini. Oh non, c'est bon, j'en ai marre. C'est vraiment une chouchoute, hein, franchement. Y'a que les cons qui changent pas d'avis, les amis. Oh. Ah mais j'ai pas bien fait de venir là. Coffre tangé, ouais. Maintenant, on peut retourner à la voiture. Moi, je serais resté dans la voiture. J'aurais fait ok maman. Mais bon là. Déjà pourquoi ils font des gros pieds là? Là on va rentrer. On va... Je peux retourner chez maman? Maman s'il te plaît. Tu vas pas me dire on peut pas. Ah non, on peut trouver un autre chemin. Bon, on a déjà vu. C'est ça. Ah, acheter votre ticket, voyager. Mais si on me remet les pieds, je vous jure, je... Oh non. Ça, je l'ai pas vu avant. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, un pont. Cette cage délabrée a été engloutie par les... Hélas, l'enfant chien. Chelou. Thank you.
maintenant. C'était quoi ça? Monte! Vite! Je sais pas, Vite! Max! Ok. Alors, tu l'as vu? Non, mais je l'ai entendu. Allez, on se tire d'ici. Démarre! Sérieux, je croyais que t'avais vérifié. J'ai vérifié, ça avait l'air bon. Chérie, je sais que t'es à cran, mais essaie de te calmer, je ok? Je suis pas à cran, Max, je suis terrifiée, putain. C'était sûrement un animal et rien d'autre. Non, c'était pas un animal, tu l'as pas vu, c'était une Laura, femme. Laura, tu m'aides pas, ok? Génial, c'est bon, tout va bien, tu vois? On pourrait s'en aller maintenant. Ok. Max! J'essaie. Va bien. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Putain de merde ! Oh, putain ! Oh, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Baissez la vitre. Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui ? L'un de vous est blessé ? On va bien, vraiment. On est juste un peu secoué. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? On ment pas, on est honnête. Quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter, alors on a braqué et... on s'est retrouvé là. Quelque chose, vous dites? Je suis désolée, il faisait très sombre et tout s'est passé si vite et elle a disparu. Elle? Vous avez percuté quelqu'un? Non, mon Dieu, non, sûrement pas. Enfin, je veux dire, c'est que je ne pense pas, je crois pas. Monsieur? Laissez tourner le moteur. Monsieur? J'en sais rien, c'est la première fois. Que t'es arrêté? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Ça veut tout dire. Putain, il la sort vite la voiture. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route, au beau milieu de la nuit, dans ce coin perdu. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. On est des nouveaux moniteurs. Vous avez un jour d'avance? Non, enfin, on le sait. Mais on a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez? Et puis ils sont au courant, on a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Vous n'atteindrez pas Hackett Squarry. Pas ce soir. Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord ?
Je crois qu'on va s'en tenir à ce qu'on a prévu, monsieur l'agent. Monsieur Hackett sait qu'on arrive et on a téléphoné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Est-ce que c'est clair pour vous? Oh, bien, on va aller. Ok, d'accord. Bon, on va dormir au motel, c'est compris. Il y a juste un petit problème. J'ai oublié de prendre le forfait trou du cul du monde pour mon téléphone. Il veut dire qu'on est perdu. Complètement. Il est con, lui. D'accord, madame. Sortez du véhicule. Quoi ? Je veux juste vous montrer comment aller jusqu'au motel sur votre carte. D'accord ? Bien sûr. Vous, restez dans le véhicule. C'est bon, je m'en occupe. D'accord. Ouais, j'étais honnête et obéissant. Et pourtant, je suis juste honnête, moi, habituellement. Ok. Alors, on est... à peu près là. Le motel Harbinger est ici. Ouais, compris. Et où est Hackett Quarry, déjà ? Eh bien, je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer. Dès demain matin. Le motel... Harbinger. Restez sur la route. Attendez, et s'il y a quelqu'un par ici ? Oui, je vais voir. Bonne soirée. Oui, c'est ce qui se trame, c'est pour ça. Après, ce qu'il fait, j'ai vu ce qu'il faisait. Parce que, voilà, je regarde des youtubeurs qui font ce que... Enfin, bon, voilà, tout le monde joue à jeu, tout le monde sur Twitch, sur YouTube le fait, donc voilà. Autant le faire ! Y a pas de plagiat, hein, les mecs, y a pas de plagiat. Autant le faire. Allez, c'est bon, allez. Putain. Pourquoi il reste planté là, ce taré ? Agacé, merci beaucoup. Merci de m'avoir aidé, au fait. Tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu tremblais comme une feuille dans la voiture. J'aurais bien aimé que tu m'aides un petit peu. Il préférait clairement être avec toi. Eh bien, je suis... très sympathique. Très allez, bien, on se barre là. On va pouvoir reprendre la route. Ouais. Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois pour ce soir. Merci bien. C'est clair. Alors, où est le motel ? Ok, bon, on est ici. Mm-hmm. Et le motel est là. Ok. Mais nous, on va là. C'est quoi ? Hackett Quarry. Comment t'as fait ? Je sais pas, je me suis arrangée pour qu'il me... T'as assuré ? T'es sûr qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel ? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant ? Non, il vaut mieux pas. Ouais. On va reprendre la route, ok ? Ravi de l'entendre. Oh, madame. Non, mais je te jure ! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air d'être une madame ? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Mm-hmm. Quoi ? Bah... 20 ans, c'est... un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien les madames. Ok, ça suffit. Ils sont vraiment cons, maintenant je comprends pourquoi ils sont crevés. Mais pourquoi le fait qu'ils tuent ? Ah, c'est con. Hackett's Quarry. Camp d'été 1953, Laura. Non mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message ? Qu'est-ce que ça change ? Ça, c'est ça que ça change. Eh oh ! Je crois qu'il écoute pas ses messages. Et comment j'aurais pu le savoir ? Enfin, y'a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd... Pourquoi y aurait une épave ? Je vais dans la voiture.
Max, allez. Max, sois pas con. J'ai pas entendu. Y'a quelqu'un ici ? Déjà, il y a de la lumière là. Pas nous rend plus fort. Non, ne nous tue pas. Nous nous tue. Sympa. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. T'es prête à y aller ? Vous allez bien ? Je reviens tout de suite, je vais chercher de l'aide. Non, non. Max ! Max, viens par là ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un dans la cave, je crois qu'il est enfermé. Enfermé ? Tu crois que c'est Monsieur Hackett ? Je sais pas, je... apporte des outils, on doit casser le cadenas. Hé, je suis là. On va vous sortir d'ici. Attends, c'est quoi ça ? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené là ? Il y a quelqu'un en bas. Je vois personne là-dedans. Quoi ? Si, là ! Je regarde, je vois rien. Laisse-moi voir. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ok, bon. On n'est pas obligé de descendre, vous savez. T'es sûr ? Confiante. Ouais, je l'ai vu sur le net. Elle tremble, la bonne. La vache. T'as besoin d'aide ? Putain, ouais. Mon PC, il fait du potin. Ah, ce jeu, il pousse bien.
Bah attends, mais j'ai une question. Elle est en mini short ou elle est, je sais pas. Eh, je vous jure, je descends pas. Moi, je descends. C'est pas moi qui descends. T'as jamais vu Evil Dead, hein? Non. J'assume, j'ai jamais vu. Eh oh! Je savais même pas si ça existait. Mais non, bah si, je savais, mais j'ai jamais regardé. Vous êtes blessé? Vous existez? Eh, fais attention. Bon frère, Vous savez quoi, on va faire en mode rapide. Ayan Nakamura. On va avancer, on va bouffer son collier. Voilà, collier ensanglanté. Moi, j'ai déjà vu un cadavre d'animaux. Je voulais me poser tranquille, il y avait un cadavre de sanglier. Je crois que c'était un bon gros sanglier. Eh ben putain. Tu peux même pas te poser tranquille, il y a un cadavre de sanglier. Je sais qu'il est là. Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait quelqu'un ici, je t'assure. Oui, c'est un rongeur. Eh hey. Oui, la nuit a été longue. T'as pas dormi? Ok. Allons au motel, on reviendra demain matin à la première heure et on pourra tout fouiller tranquille, mais... Mais tu dois être épuisé, moi je le suis. Attention. Notre imagination... J'ai eu peur, alors je le savais, bordel! Je savais que ça allait arriver, j'ai eu peur. N'importe quoi. Ah, je saigne. Max! Si tu sens... Aide-moi. Tu perds beaucoup de sang en fait. On n'abandonne pas les soldats au front. Même les plus gros fils de pute, même les traîtres, on n'abandonne personne. Non, mais non, mais quel con! Mais non, j'ai abandonné. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire! Mais non, je voulais pas faire ça! Mais non, mais le con! Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger? Mais non! Mais je voulais pas! Eh, je vous jure, sur ma vie, je voulais pas! Je voulais pas, Laura, affichez votre chemin. Non, je vais afficher mon chemin. Laura n'a pas aidé Max, il a été attaqué dans le sous-sol. Mais non, mais je voulais l'aider! Mais non, j'étais tellement en train de parler. Faut pas abandonner même les plus gros fils de pute, les plus gros traîtres. Que je l'abandonne! Mais le con que je suis! Même le prologue, j'arrive à me foirer, j'imagine pas le jeu. Ah, je me suis fait le prologue, bordel. Ouais, c'est bon. Donc la prochaine fois, faut bien lire, ok? Donc vous lisez bien la prochaine fois. Et vous savez comment j'ai remarqué? J'ai entendu désolé, je me suis dit. Mais attends, dans le live de Seros, elle a pas dit désolé. Et là, je la vois se barrer, je me dis non, sérieux là. Mais putain, je voulais pas l'abandonner, moi. Je me disais bien abandonner Max.
Le mot était plus long que prévu. Aider, abandonner. Ah, y a mamie. Y a Marie-Thérèse. Oh, j'aime pas les corbeaux. En plus, le prologue, il m'a fait faire 3 sursauts. Bonsoir à vous. Bienvenue chez moi. Alaykoum salam. Faites comme chez vous. Oh, allez-y. Ouais, branlette. Je vous attendais. J'attendais, oui. Désolé. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Bon, j'ai 18 ans, mais entre 18 et 20 ans... Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide dans l'inconnu. C'est fascinant, oui. Et terrifiant. Mais avec du courage et bien sûr votre autorisation, je vous aiderai. Oui, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Mais nous entraiderons. Non. Oui. Le fou. La carte que vous avez trouvée. Le fou. Je me demande de qui il s'agit. Nous savons tous reconnaître un fou au premier regard. Oh, ça t'inquiète. L'innocence et la liberté, ou l'irrationalité et les risques, la spontanéité. La liberté. Les actes irréfléchis et toutes les conséquences qui en découlent. Tu veux dire quoi par acte irréfléchi? J'ai bien réfléchi à mon acte. Et vous ne vous brûlez pas. C'est juste, j'ai fait le con. Voilà. Je peux vous en montrer plus si vous le souhaitez. Pas trop, mais bon, on va quand même voir. Voici ce qui pourrait arriver. Un futur plausible. Un chemin à tracer. Regardez. Ah, oh, je regarde dans la boule. Il existe bien des secrets, vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous, si vous le voulez. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Et ouais. Donc voilà les amis. Tout simplement, on va s'arrêter là. Je sais, c'est le début, mais on va s'arrêter là. Donc moi, je vous dis... Ok. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, je m'en bats les couilles, parce que là, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que je vais plus rire que m'énerver dans les commentaires. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc... Allez-y, lâchez-vous. Moi, je vous dis ciao.